But good afternoon, everyone. I don't want to keep you all waiting. I'm Susan McLean, the Associate Director of Advancement here at SYA. If I have not met you before, delighted to have you on this class with us today. I am pleased to introduce Dominique Borotra, who is our French language teacher and has been with SYA France since 2016. So just to review what's happening today, Dominique is going to give a presentation and that'll last for about a half an hour. She has a PowerPoint to accompany it. And after that, we'll do a Q&A session. So if your question can wait until that point, please let it wait. If you're afraid you may forget what that question might be, please use the chat function and we'll make sure that we get to answer it during that session. So Dominique, take it away. Merci. Bienvenue à tous, bienvenue en Outre-mer à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je suis donc originaire de Saint-Pierre. Localement, on parle volontiers du caillou. C'est assez juste comme description. Le caillou, de par sa situation géographique, le climat, qui est quand même rude, le caillou se prête bien à son surnom. Donc, j'aimerais vous présenter mon île parce que j'ai parfois eu des moments où il a fallu que je combatte quelques idées reçues sur Saint-Pierre-et-Miquelon, y compris auprès de Français de France. Et donc, voilà, je voulais partager à quelques points avec vous. Tout d'abord, oui, on est Français. Et... On a tout ce qu'il y a en France. On a le passeport, on a la carte d'identité, on a le drapeau tricolore sur le fronton des bâtiments publics. On a les gendarmes, on a le permis de conduire à point. Bref, c'est la France en Amérique du Nord. Nous aussi, on passe beaucoup d'heures à table pour des longs repas de dimanche le midi. On aime les baguettes bien croustillantes. On aime le bon vin et la bière aussi, remarquez. Attention à consommer avec modération. Non, nous ne sommes pas situés à côté du Groenland. Et on est même à la même latitude que Nantes, figurez-vous. Oh. Non, on n'est pas canadien et on ne souhaite pas le devenir. Et non, on ne parle pas français avec un accent québécois. Certes, on a un accent. Je l'ai un petit peu perdu, mais je l'ai encore un peu. Un accent qui ressemble plutôt au nord de la France, à celui du nord de la France, qui nous distingue quand même aux oreilles des Français de France. Mais il me semble que nous avons aussi certaines spécificités qui nous différencient quelque peu des autres territoires d'outre-mer. Et c'est pourquoi je voudrais vous présenter quelques aspects de la vie locale, Saint-Pierraise et Miquelonnaise, pour vous donner une petite idée des singularités de notre archipel. Un petit rappel peut-être avant. Les Outre-mer, c'est une zone économique exclusive et un espace maritime de 11 millions de kilomètres carrés avec 2,6 millions d'habitants répartis sur 12 territoires. Nous avons... Autrefois, on parlait des DOM-TOM, maintenant c'est plutôt les DROM-COM, donc les départements et régions d'outre-mer, comme par exemple les Antilles, Mayotte, voilà, pour les régions et départements. Et puis les COM, comme la Polynésie française, Wallis et Futuna, et donc aussi Saint-Pierre-et-Miquelon, là tout en haut. Donc, j'ai un problème avec ma souris. Elle ne veut pas partir, ma souris. Qu'est-ce qui se passe, ma souris? Pourquoi tu ne veux pas marcher? Allez, on va continuer. Voilà donc Saint-Pierre-et-Miquelon, à côté du Canada. Vous voyez donc Terre-Neuve, le Canada, les États-Unis, pas loin, à vol d'oiseau. Pour se donner une petite idée, je vais vous présenter quelques chiffres que je vous laisse regarder. Donc 2, 3,
25, 975, à quoi ça ressemble, à quoi ça fait référence tout ça? Eh bien, voyons-le ensemble. Tout d'abord, 3, eh bien, c'est le chiffre que j'ai retenu pour les trois îles principales, donc Miquelon, Langlade et Saint-Pierre. Il y a, si ma mémoire est bonne, je pense qu'il y a 8 îlots, en fait, dans l'archipel entier. Mais donc, c'est les trois principales dont je vais vous parler aujourd'hui. 2, c'est le chiffre des communes. Il y a donc une mairie à Saint-Pierre, une mairie à Miquelon, 2 maires, 2 municipalités. Et entre parenthèses, le chiffre 2 s'adapte aussi, s'applique aussi au nombre de parlementaires dont nous disposons. Nous avons un sénateur et un député, ce qui est assez exceptionnel, je dirais même privilégié pour un territoire aussi petit que le nôtre. D'ailleurs, 242 km², c'est la superficie totale de notre archipel. J'ai cherché. 242 km, c'est 93 square miles, si ça vous dit quelque chose d'un peu plus, détaillé. Donc, on est un petit territoire. Et on est à 4570 km de Paris, à vol d'oiseau. Donc ça, c'est à peu près 2840 miles. Voilà. Par contre, nous ne sommes qu'à 25 km du Canada. On peut littéralement voir le Canada de nos fenêtres. J'exagère un tout petit peu, mais pas beaucoup. 6092, c'est le nombre d'habitants dont disposait l'archipel en 2020. Le chiffre tend à se réduire. Quand moi, j'étais aux études au début, donc il y a un certain nombre d'années, une vingtaine d'années, le chiffre était plutôt de 6500, donc les statistiques baissent un petit peu. Un autre chiffre, 975, c'est le code territorial de Saint-Pierre, le code postal, que parfois les agents de la poste, par exemple, ont du mal à retrouver. Vous habitez où? Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est où ça? Où est-ce que ça se situe? À côté de La Réunion? Non, pas du tout. Parfois même, donc, les agents de la poste ne savent pas trop où on est. Et pour finir, 97. Attention, ça va faire mal. 97, c'est le nombre de jours de brume, fog. Donc 97 jours de brume. Je ne vous ai pas mis le chiffre qui correspond au nombre de jours d'ensoleillement. Et là, il est un petit peu, il est plus bas. 60 jours d'ensoleillement par an, c'est une moyenne. Ça ne fait pas beaucoup de soleil, j'avoue. Pour autant, on aime notre caillou. Je vais commencer par vous décrire un petit peu Miquelon. Miquelon, dont le paysage est composé de grandes tourbières, mais aussi d'une forêt boréale, la seule d'un territoire français. Les colonies de phoques gris et communs sont nombreuses. Il y a aussi beaucoup d'oiseaux migrateurs. Il y a une flore intéressante qui correspond à la végétation boréale. On a des plantes carnivores assez intéressantes. Des spruces, des petits sapins. Si vous remarquez sur la photo, les sapins sont très bas parce qu'il y a du vent. Et souvent, ils sont même un petit peu comme ça, latéral, parce qu'ils sont très, très exposés au vent. Voilà un petit peu pour le paysage de Miquelon. Le village de Miquelon, je dis village parce qu'il ne compte que 600 habitants et assez isolé dans le haut de l'archipel. Comme vous pouvez le voir, les maisons sont, comme sur la première image de ma présentation, les images vous montrent que les maisons sont particulièrement colorées. Elles sont quasiment toutes en bois, avec des toits pointus et avec de très très peu de débords pour éviter la prise au vent. Et ça, on en a beaucoup. Également, au centre de la diapositive, vous voyez un ferry. C'est un des nouveaux ferries dont dispose l'archipel et qui a vraiment changé la vie des Miquelonais et des Saint-Pierrais.
Car maintenant, on peut transporter facilement, plus facilement des voitures, des cargos différents. Et c'est donc vraiment un lien essentiel entre les îles. Et même, je dirais, entre les îles et Terre-Neuve. Voilà pour Miquelon. L'Anglade. L'Anglade dépend administrativement de Miquelon. Mais en réalité, personne n'y réside à l'année longue. C'est essentiellement l'île des vacanciers, Saint-Pierré en l'occurrence. Ils prennent leur bateau le week-end et vont mouiller directement à l'Anglade, ou bien ils achètent un petit passage pour aller faire quelques jours de vacances, de dépaysement, vraiment, sur l'île voisine. Comme vous le voyez, l'Anglade est quand même très sauvage. Il y a beaucoup d'activités que l'on peut faire en extérieur, beaucoup de promenades, c'est le monde aussi des randonneurs et en automne des chasseurs. Voilà, ce que je pourrais dire au sujet de l'Anglade, c'est qu'on a récemment autorisé la construction de nombreuses maisons secondaires et avec plus ou moins de réussite à mon avis, mais c'est un espace fragile que l'on se doit vraiment de surveiller de très près. À l'image de ce qui se passe au niveau de la dune, c'est-à-dire l'isthme qui se trouve entre Miquelon et l'Anglade, vous le voyez ici sur l'image, c'est un endroit avec un écosystème très fragile et vraiment fragile au point que l'hiver dernier, la route qui passe de l'Anglade à Miquelon s'est complètement effondrée et a été coupée pendant plusieurs mois. Ça a été vraiment un choc pour toute la population, parce que là, on se rend vraiment compte de l'impact de l'érosion et de la montée des eaux, tout simplement. Là, d'ailleurs, le village de Miquelon est particulièrement menacé par la montée des eaux, parce qu'il est vraiment construit au niveau de la mer. Donc là, voilà, c'est vraiment, ce n'est que le début des problèmes pour nous à Saint-Pierre sur ce plan-là. Saint-Pierre, eh bien Saint-Pierre, c'est la plus petite des îles que je vous ai présentées pour l'instant, mais c'est la plus peuplée de l'archipel. Historiquement, c'est à Saint-Pierre que les premiers habitants européens s'installent. En effet, Saint-Pierre dispose d'un port naturel dans le sud, dans sa partie sud, et il offre un abri absolument naturel pour les grands bateaux, et les premières goélettes et autres moritiers qui venaient pêcher à Saint-Pierre. Donc la population en fait, locale à Saint-Pierre compte 6 000 à peu près, 5 500, excusez-moi. Et donc elle concentre l'essentiel de la population dans la partie sud de l'île. Les 2/3 du reste de l'île sont plus sauvages, inhabités, on appelle ça même la montagne. Je vous l'accorde, ce n'est pas les Alpes ni les Pyrénées, mais ça reste un relief important que l'on appelle localement la montagne. Comme à Miquelon, les maisons sont très colorées. C'est à qui sera le plus créatif parfois. Vous voyez, il y a du violet, du orange, du vert, du rouge, beaucoup de rouge. Et ça apporte beaucoup de gaieté. Traditionnellement, elle n'était pas peinte comme ça. C'est quand même quelque chose d'assez récent. Mais traditionnellement, les maisons locales, comme sur l'image que vous avez en bas au milieu de la diapositive, elles sont faites en clapboard de bois, clapboard, et donc sont également équipées d'une porte d'entrée un peu spéciale. Cette cabane que vous voyez sur l'image s'appelle un tambour. Et donc, c'est comme un sas pour protéger l'intérieur de la maison des coups de vent ou de la neige qui pourraient rentrer en cas de tempête. Donc ça, c'est un élément architectural vraiment typique que l'on essaye de conserver le plus possible dans le centre-ville, surtout de Saint-Pierre et de Miquelon. Les nouvelles maisons qui ont plutôt une architecture un peu plus moderne, un peu plus grande aussi, ont un peu abandonné le tambour, mais moi je milite pour qu'on y revienne. C'est typique.
L'architecture des maisons, alors moins dans le centre-ville, mais plus sur l'extérieur de la ville, sont très similaires aux maisons de Terre-Neuve. La différence étant que les maisons de Terre-Neuve ont une partie en sous-sol, et nous, à Saint-Pierre, sur le caillou, on n'est pas en mesure de creuser facilement. Donc la roche est tellement dure que, en fait, toutes les caves, basements, toutes les caves sont plutôt surélevées. Donc ça fait une petite différence architecturale. Vous voyez, juste en passant, l'image dans le bas ici, nos voitures sont quand même très nord-américaines, d'accord, pour faire face notamment aux conditions climatiques. Alors, qu'est-ce qu'on a de France? Ben, beaucoup de choses. Les produits et traditions de France en termes d'habitudes alimentaires sont bien présentes. Nous avons du pain, de la charcuterie, du vin, du fromage. Sur toutes les tables de Saint-Pierre, il y a des plats typiquement français, mais aussi beaucoup de produits de la mer, vous imaginez. Et tout en gardant en mémoire que tout à Saint-Pierre, la vie est chère. Tous les produits alimentaires sont bien plus chers qu'en métropole. Donc, on fait attention à ce que l'on consomme, c'est vrai. Tout est beaucoup plus cher, même le poisson, figurez-vous. À l'époque, il fut un temps où la viande venait du Canada et était bien moins chère que celle que l'on pouvait acheter en métropole, par exemple. Mais ce n'est plus tout à fait le cas. C'était aussi le cas pour le carburant, tout ce qui était lié au fioul domestique, etc., qui était bien moins cher. Mais les prix augmentent pour tout le monde, hein, même chez nous à Saint-Pierre. Alors, nous sommes aussi habitués à des marques et des produits importés du Canada. Il ne faut pas se leurrer, on est quand même à côté du Canada. On fait venir beaucoup de choses de France, par bateau, par avion, mais on a quand même énormément de produits qui sont d'Amérique du Nord. Vous reconnaîtrez peut-être certaines marques, des marques de produits que l'on ne retrouve pas forcément en France, justement. Mais nous, on y a accès fortement et facilement. Juste pour la petite anecdote, les deux images du bas, c'est une amie à moi qui a pris la photo hier. Je lui ai dit, ouvre ton placard, sors-moi tous les produits canadiens que tu as chez toi. Et elle en avait plein le comptoir. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel on ne peut pas échapper à Saint-Pierre. On a vraiment besoin de ces produits-là qui nous arrivent en plus grand nombre, avec un prix moins élevé dû au transport. Et voilà, une plus grande variété aussi, tout simplement. Donc, en quelque sorte, on peut dire que j'ai grandi avec, d'un côté, des éclairs au chocolat, des bœufs bourguignons, des petits beurres lus, et de l'autre côté, du poulet shake and bake, craft dinners, et puis du sirop d'érable. Il y avait les deux. Il y a les deux à Saint-Pierre. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on aime, d'accord? Et on aime tellement ça que... Moi-même, quand j'étais étudiante, donc je suis venue en métropole pour étudier à l'université, et un petit peu comme nos élèves maintenant, je me faisais envoyer des paquets, des colis, boxes, full of cheese whiz, craft dinners, des choses comme ça. Oui, oui, c'est terrible. Mais c'est comme ça. On avait un petit peu, moi et mes amis, hein, on avait tous un petit peu le côté homesick, que je peux comprendre. Donc, on se faisait envoyer des colis avec des produits de chez nous, des confitures locales aussi quand même, et aussi des produits canadiens qu'on ne trouvait pas en France. Donc c'est comme ça, quand on a un pied de chaque côté de l'Atlantique, vous savez de quoi je parle. En parlant de Canada, quelque chose qui est assez inévitable à Saint-Pierre, c'est le hockey. Donc Hockey Night in Saint-Pierre. Donc j'ai aussi grandi avec la fièvre du hockey sur Radio-Canada, les Bruins de Boston, les Penguins de Pittsburgh, surtout les Canadiens de Montréal et les Maple Leafs de Toronto. Vous l'aurez compris, le hockey, c'est quand même quelque chose d'assez incontournable chez nous et qui est singulier aux yeux des autres Outre-mer. Ce n'est pas quelque chose que l'on pratique ailleurs. Alors, les gens ne font pas que regarder le hockey à la télé canadienne, mais le sport est très pratiqué à Saint-Pierre.
Et l'été, eh bien, la glace fait place à l'herbe et donc c'est plutôt le football qui prend la relève. Et les trois équipes locales se font la guéguerre pendant toute la durée du championnat. Donc voilà, le sport, qu'il soit influencé par les fédérations françaises ou les fédérations, les sports plutôt comme le hockey, c'est quand même quelque chose de très important dans la vie locale. Ça soude les gens, les familles. Ça fait se rencontrer les générations autour de pratiques communes et conviviales. Ce qui nous soude, bien sûr, c'est aussi la mer. Et la mer et tout ce qu'elle a à nous offrir. Nous avons tous un ancêtre pêcheur à Saint-Pierre. Il y a forcément dans un arbre, dans une branche de l'arbre généalogique, il y a forcément un pêcheur quelque part. C'est dans notre ADN. Et c'est vrai que depuis 1992, avec la fin de la grande pêche, les choses sont plus compliquées économiquement parlant dans ce domaine d'activité, dans ce secteur d'activité. Mais si vous avez eu le temps de regarder une des petites vidéos que j'avais proposées, vous aurez peut-être vu qu'il y a des jeunes qui s'y remettent avec courage et détermination. Donc on a bon espoir que la flotte locale continuera à se renforcer dans les prochaines années et surtout que la tradition de la pêche perdure. En parlant de tradition, si vous regardez en bas de l'image, vous verrez une embarcation dont nous sommes particulièrement fiers à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est le Doris. Le Doris est fait totalement en bois. Il a été très, très utilisé au 19e siècle sur les bancs de Terre-Neuve et dans un format plus petit et dans un format plus grand comme celui-ci présenté. C'était plutôt pour les petits pêcheurs qui s'en allaient autour de Saint-Pierre et de Miquelon à une distance plus raisonnable que celle des énormes chalutiers que nous avions dans les années 70-80. Je dois dire que j'ai vu les derniers chalutiers partir en 1992. Je pense que je ne me rendais pas compte à l'époque à quel point c'était une page qui se tournait et qui s'est tournée définitivement. En parlant de ça, j'en profite un tout petit peu avec cette diapositive pour vous montrer quand même le contraste entre un jour ensoleillé, magnifique, ciel bleu, et puis un jour de brume. Et je dois dire que le jour de brume est quand même plus typique à Saint-Pierre que le ciel bleu. Hein, il faut l'admettre. En parlant de pêcheurs, on est obligé de revenir un petit peu sur nos origines. Et c'est une des singularités dont je voulais parler en introduction. C'est bien sûr nos origines bretonnes, basques et normandes. Hein, c'est la population qui a forcément un ancêtre d'une de ces trois origines. Parfois, tous les ancêtres sont de ces origines-là. Et donc, derrière moi, vous l'avez peut-être vu, j'ai placé le drapeau de mon archipel. Le drapeau témoigne de ces origines différentes que nous avons, cette combinaison singulière de basques, de bretons et de normands. Donc, ce drapeau de 1982 vous présente donc la Grande Hermine, hein, qui rappelle Jacques Cartier, un Malouin, pas loin d'ici, n'est-ce pas? L'Icourina basque, donc le drapeau basque, un semi-d'hermine breton, et puis les deux léopards normands. On trouve les mêmes éléments héraldiques dans les armoiries de Miquelon. Donc, les armoiries de Miquelon sont un peu plus récentes, elles sont de 1984. C'est d'ailleurs mon oncle qui les a créées, donc je fais un petit coup de passant, un petit hommage à lui. Ces armoiries, donc, on retrouve encore le drapeau basque, breton et normand, cette fois-ci, ils sont tenus par un oiseau emblématique de Miquelon qui s'appelle le cacaoui. C'est un canard, c'est un canard. Qui s'appelle le cacaoui, et donc il tient les emblèmes de nos origines qui coulent vers la mer, comme ça, avec la mer nourricière, les poissons,
un petit peu de vert aussi pour rappeler l'espoir et la détermination des locaux à rester à Miquelon. Mais si vous avez remarqué peut-être dans le haut de ces armoiries, il y a un élément supplémentaire qu'il n'y a pas sur le drapeau de l'archipel. Il s'agit bien de nous rappeler que nous avons aussi des origines liées à un autre peuple, le peuple acadien. Le peuple acadien qui a dû quitter les terres du Canada avec le grand dérangement à la fin du 18e siècle. Et entre 250 et 300 familles, tout de même, sont venues s'installer à Miquelon, entre cette période-là, entre 1760 et 1820, me semble-t-il. Donc, il y a quand même eu cette installation d'une autre population très importante, surtout à Miquelon. Aujourd'hui, d'ailleurs, Miquelon est jumelé avec les îles de la Madeleine. Voilà, tout de même, malgré ce que je viens de vous dire, c'est quand même les Basques qui sont les plus visibles d'un point de vue de l'héritage. On a perdu la langue il y a bien longtemps, mais on a encore beaucoup d'éléments culturels qui perdurent. On a une fête basque chaque été depuis plus de 45 ans, me semble-t-il. Effectivement, nous n'avons pas de fête bretonne ni de fête normande. Peut-être que ça viendra un jour, mais en tout cas, c'est vrai que l'héritage basque est peut-être le plus visible. Il est visible également dans les patronymes, d'accord, les noms de famille les plus courants à Saint-Pierre, d'abord d'Echeverry, qui veut dire de la maison, en l'occurrence, et Briand, qui vient de Bretagne. Mais il n'y a pas seulement des Echeverry, des Briand, il y a aussi des Acala, des Poirier, des Fouchard, des Coutances, des Vigneaux, des Cormiers également, d'autres régions comme la Nouvelle-Aquitaine. Je voudrais néanmoins souligner, ce n'est pas dans ma présentation, mais je voudrais souligner qu'il y a aussi quand même beaucoup de liens avec Terre-Neuve. Dans les années 30, autour de la Prohibition, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas ? Il y a un nombre important de jeunes filles de Terre-Neuve qui sont venues chercher du travail à Saint-Pierre et elles y sont restées. Elles ont fondé des familles et finalement, même si leurs noms de famille ont disparu à elles, il y a eu quand même des installations de familles terneuviennes comme les fils Patrick, Drake et James, mais qu'on dit Jam à Saint-Pierre, et Hayes, on dira Hayes à Saint-Pierre. Donc il y a quand même cet héritage de Terre-Neuve qu'on a tendance un peu à minorer, je pense. Beaucoup, un certain nombre de Saint-Pierrais pensent qu'il devrait y avoir un quatrième écusson dans notre drapeau qui représenterait Terre-Neuve. Je suis assez d'accord avec ça. Voilà, outre ces patronymes, nous n'avons pas beaucoup de toponymes qui restent, mais je voudrais juste signaler qu'il y avait aussi des habitants avant les Européens, à savoir plusieurs nations paléo-esquimaux et des implantations durables de la nation amérindienne Mi'kmaq à Miquelon. Voilà, un dernier petit élément au sujet du parler local et de l'accent. Je vous avais dit au début que ça faisait partie des points un peu singulier qu'on avait à Saint-Pierre. Je vous ai proposé ici un inventaire, en quelque sorte, de quelques voyelles un peu allongées ou assimilées qu'on a à Saint-Pierre. C'est-à-dire qu'au lieu de bien prononcer le « wa », on va dire « ouais ». Donc « vouloir » devient « vouloir ». Le « a », alors parfois il est assimilé à un « a » plus allongé comme dans le nord de la France, mais il est également plutôt prononcé comme un « e ». Donc, partir devient partir, ou bien le homard, le homer. Voilà. Et la dernière chose, au niveau linguistique, la différence entre les nasales on et en, elles sont juste inexistantes à Saint-Pierre. C'est-à-dire que la plupart du temps, elles sont mélangées, elles sont confondues. Dans l'oreille d'un Saint-Pierrais, un concert se dira un cancer. Le don se dira dans. Donc, il y a. On est un petit peu, on a oublié ces sons-là. Voilà pour une partie de l'accent.
un petit élément de parler local qui peut poser problème au niveau des plannings. Je vous explique. En métropole, on va dire, on prend le petit déjeuner, on déjeune à midi, on prend le goûter à 16h, on dîne à 20h. Oui, sauf qu'à Saint-Pierre, ok, on déjeune à 7h, on dîne à midi, on collationne à 16h et on soupe à 20h. Ça fait que j'ai déjà eu cette expérience-là où j'ai invité quelqu'un à dîner et à 12h45, la personne n'était toujours pas là parce qu'elle avait compris qu'elle était invitée le soir. Il a fallu relancer l'invitation. Également, des petits éléments de langage comme « comment ça va ?» Eh bien, chez moi, se dira « Sadi, au revoir, tôt, à tantôt, bye bye, bye !» Donc, on est plutôt influencé par ça. En France, on va fermer la porte à clé. À Saint-Pierre, on barre la porte. Et quand quelque chose est délicieux, on dit « Ah, mauvais que c'est !» ou « Oh, c'est rien bon !» Et oui, on a aussi un certain nombre de mots de vocabulaire maritime, bien sûr, ça c'est pas, ce n'est pas surprenant. Mais quand même, ce qui pourrait être un peu surprenant, c'est peut-être l'équivalent des deux premiers là que je vous ai mis en exemple. On monte sur un vélo, d'accord ? On descend d'une voiture peut-être. Mais chez moi, on va embarquer sur un vélo. On va embarquer, on va débarquer d'une voiture, comme un bateau. Donc, et ça, on l'applique à tout. On va débarquer d'un vélo, d'un cheval, d'une voiture, d'une mobylette, et même de votre lit. On débarque du lit, on débarque d'un canapé, on débarque d'un fauteuil. Voilà. D'autres éléments un peu linguistiques liés à la mer, on attache quelque chose. Ben non, on va l'amarrer, on amarre quelque chose. On lâche, non, on largue. On a du mal à faire quelque chose? C'est peut-être, mais on va ralinguer. C'est-à-dire, ça c'est un élément lié au voile qui est très difficile à tirer. Donc, c'est un exercice très compliqué. Donc, on a du mal à le faire parfois. Et puis, ben, pour tourner ou changer de direction, on ne tourne pas, on vire. Comme un bateau. Voilà, je voudrais juste souligner dans cette petite parenthèse linguistique que finalement, si on a bien y regarder, même si on est entouré par l'anglophonie, vraiment, on a peu d'emprunt à l'anglais. Et ça, je pense que ça c'est lié à la volonté vraiment des gens de garder leur identité francophone. On ne s'est pas laissé manger quelque part par l'anglophonie. Et de toute façon, on n'a pas plus d'anglais à Saint-Pierre qu'on pourrait le trouver en France avec... toutes les terminologies liées à l'Internet, le shopping, tout ça, etc. Donc, on n'est pas plus anglais, anglophone que des gens en métropole. Voilà, je voudrais conclure en disant, en vous racontant un petit élément plus personnel peut-être, mais c'est vrai que Saint-Pierre-et-Miquelon est un vrai bout de France aux portes du Canada. Pour moi, la géographie, le climat, la vie locale, la culture française, les influences canadiennes, notre héritage sont toujours vivants et font de l'archipel un territoire particulier parmi les Outre-mer. Ça ne ressemble pas aux autres Outre-mer dans ce sens-là. J'espère que vous en avoir un peu convaincu par ces différents exemples que j'ai abordés. Pour ma part, j'ai quitté mon caillou il y a plus de 20 ans pour étudier en France. Alors, quand on dit en France, hein, c'est par opposition à Saint-Pierre. Tous les Outre-mer parlent comme ça, en fait. Donc, pour venir en France métropolitaine, et j'y suis encore, la preuve, j'y travaille, j'y ai fondé ma famille. Et on peut dire que j'ai fait, grâce à cette présentation, une petite réflexion personnelle, et je me suis dit que vraiment, j'avais fait le sens inverse de mes ancêtres. Mon arrière-arrière-grand-père paternel, dont j'ai hérité le nom et le prénom, a comme bien d'autres avant et après lui traversé l'Atlantique pour se créer une nouvelle vie, pour trouver d'autres opportunités, comme on dit. Il était né au 19e siècle, okay, et il a quitté son pays basque natal pour aller pêcher la morue sur les grands bancs de Terre-Neuve. Il s'est installé à Miquelon, a épousé une Acadienne et leurs enfants se sont eux mariés avec des descendants de Normands et de Bretons.
et sont devenus commerçants, enseignants, acteurs de la vie économique et politique locale. Et plus proche de moi, mon père, donc dans les années 70, a épousé ma mère, Carolyn Griffiths, une jeune étudiante anglaise venue par tout plein de circonstances, venue étudier le français à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais pas en France. Et à Saint-Pierre-et-Miquelon, d'où elle n'est jamais repartie. Et contrairement à moi, qui réside maintenant en France. Donc, on peut dire quelque part que la boucle est bouclée. Merci de votre attention. Susan? Thank you, Dominique, for that. Does anybody have any questions before we start asking some of the ones that have been submitted? So, John, you did ask about Clipperton, c'est quoi? Ah, Clipperton, ouh, c'est un territoire vraiment isolé qu'on retrouve du côté de dans le Pacifique. Il n'y a rien là-bas. C'est un endroit vraiment pour les scientifiques. Il n'y a rien. Il y a énormément de faune, mais voilà, il n'y a pas d'installation comme nous, quoi, comme nous dans les Outre-mer que l'on connaît. Une autre question? David. Hey, je veux savoir quelle est l'industrie principale. Je vais penser que ça doit être la pêche, non? Peut-être. Mais je sais pas. Voilà, c'était ce que je pensais. Et l'autre question, qu'est-ce que vous faites là tous les jours? Vous pouvez décrire un petit peu la vie quotidienne des Saint-Miquelonais pour qu'on puisse avoir une idée. Et la troisième question, je dirais en même temps, qu'est-ce qu'on peut y faire en tant que touriste? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Bon, les balades, mais entre autres, c'est un peu loin. Donc voilà, je vais avoir une petite promotion pour avoir une idée. Très bien. Je crois que je vais aller travailler pour le tourisme Saint-Pierre, mais non. Voilà. Alors, le premier élément, disons que, j'ai oublié David, je suis désolée, le premier élément, la vie quotidienne, vous m'avez demandé. J'avais demandé donc l'industrie principale. Ah, l'industrie, pardon, excusez-moi. Ben, l'industrie, écoutez, c'est assez limité. Hein. Il y a 30, 40 ans, c'était bien sûr la pêche à fond, on avait beaucoup, beaucoup de poissons, beaucoup de possibilités d'aller pêcher, parce que maintenant, notre territoire de pêche est restreint. Nous l'avons perdu au profit du Canada, et là, pour le coup, la France nous a un petit peu lâché, faut le dire, dans les années 80-90. Donc, l'industrie, c'est quand même lié à tout ce qui est production alimentaire. Donc, on va dire les produits de la mer, mais aussi maintenant, de plus en plus de produits de la ferme. Nous avons des courageux à Saint-Pierre qui élèvent des animaux, transforment des produits locaux. Donc, il y a du foie gras de Saint-Pierre-et-Miquelon avec une petite pointe de coquille Saint-Jacques. Il y a beaucoup de crabes pendant la bonne saison. Le homard est très, très populaire. Il est vrai que pendant quelques années, encore un peu aujourd'hui d'ailleurs, le concombre de mer était très prisé parce qu'il est vendu et exporté. Donc, ça reste quand même lié à la mer, si vous voulez, mais ce n'est absolument d'aucune mesure avec ce que c'était avant. Donc, ça reste quand même un élément important, la mer, l'industrie de la mer, et donc de la transformation alimentaire, je dirais, en général. La plupart des gens, maintenant, sont quand même liés à l'administration. Le travail, c'est surtout faire fonctionner le territoire. Quant à la vie quotidienne, eh bien écoutez, y a des choses qui ressemblent, non, au contraire, qui seraient plutôt différentes du territoire français. Un élément, ce serait que tout le monde rentre chez soi à manger à midi, par exemple. Donc, les distances sont tellement courtes qu'on va au travail le matin. Oh, il peut y avoir un petit peu quelques voitures qui vont provoquer un bouchon, mais rien du tout avec ce qu'on pourrait avoir ici, bien sûr. Les gens vont aller au travail, reviennent à midi, retournent au travail l'après-midi, rentrent chez eux, collationnent. Le thé est très très important, c'est une institution. Peut-être qu'on a hérité justement des Terneviens. Donc les gens vont revenir prendre un coup de thé
et puis vaquer à leurs occupations, comme un petit peu partout. Et le week-end, je dirais que s'il y a un rayon de soleil, on est dehors. On profite au maximum du beau temps. Et puis voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Le troisième point, c'était. C'était en tant que touriste, Ah oui, qu'est-ce qu'il y a à qu'est-ce faire? que vous faites? Bon, Voilà. alors, qu'est-ce que je vous proposerais? En tant que touriste, déjà, on vous ferait découvrir le tour de Saint-Pierre en bateau. Peut-être que vous verriez même des baleines. Au mois d'août, il y a des baleines. On a vu des rorquals l'été passé, d'ailleurs. Il y a énormément de faune à voir sur les pourtours de Saint-Pierre. Il y a notamment un endroit qui s'appelle le Grand Colombier, qui est une réserve naturelle pour les oiseaux, très, 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 très impressionnante, hein. Il y a plus de 20 000 oiseaux qui nichent là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pourrais vous dire d'aller jusqu'à Miquelon, de prendre le ferry pour aller jusqu'à Miquelon, de vous promener à pied. Il y a énormément de balades à faire sur le cap de Miquelon, c'est magnifique, très sauvage, on n'est pas dérangé par les voitures. Et ça, c'est un élément. La photo et la peinture sont, enfin, surtout les photographes s'en mettent vraiment plein la caméra. Il y a beaucoup de choses à photographier. La lumière chez nous est exceptionnelle. Il paraît qu'il y a un aéroport aussi qui est Oh! dans son partenaire. Oui, Donc, il y a quand même un aéroport. on peut y accéder de France directement en été, je Alors, suppose. figurez-vous que ça ne fait pas très longtemps que l'on peut venir directement de Paris à Saint-Pierre. Ça fait seulement la quatrième année qu'on dispose d'une liaison directe et seulement l'été. Attention, il faut être très, très, faut être très, très au courant des dates et se précipiter pour acheter les billets quand on veut faire Paris-Saint-Pierre parce que c'est limité. Mais vous pouvez très bien y accéder à Saint-Pierre par avion en partant de Saint John's, Newfoundland, Halifax, Nova Scotia, Montréal, Montréal. Il y a des vols, il y a des vols. Tous les jours, on peut aller à Saint-Pierre. Bon. J'avais une petite question sur les oiseaux. Susan, I had a question about a bird. What would be a local bird? I believe that was a question that was asked on Slack. Okay. Okay. Je dirais I moi que can't translate them all, but so which one was the bird question? Je pense qu'on m'a demandé quel était l'oiseau emblématique de Saint-Pierre. Eh Ah. bien, the emblematic bird. Okay. Je dirais que c'est le macareux. The puffin. Il y a une Ah. grande, grande colonie de puffins à Saint-Pierre. Et puis, peut-être aussi l'oiseau qui était sur l'armoirie de Miquelon, le cacaoui, qui est un canard sauvage. Voilà. Okay. Another question was, pourquoi les îles ne sont pas une région du Canada? Quel est le moyen le plus simple de visiter les îles? Merci, Susan. Alors, le moyen le plus simple, c'était de prendre l'avion, ça c'est sûr. Et maintenant, pour répondre à la question pourquoi on n'est pas au Canada, ben, écoutez, c'est l'histoire qui en a décidé pour nous un petit peu. On a failli être britannique de très nombreuses fois. Entre 1690 et 1816, on est passé des mains des Anglais aux Français maintes fois. Donc on a failli être britannique et donc on aurait peut-être pu finir canadien si finalement la France n'avait pas voulu nous garder au 19e siècle pour des raisons économiques, essentiellement liées à la pêche. Le fait d'avoir un territoire français en Amérique du Nord, sachant qu'ils avaient perdu quand même toute la Nouvelle-France, hein, tout le Canada était perdu au profit des Britanniques, il restait vraiment que Saint-Pierre comme port d'attache pour envoyer les bateaux et les envoyer ensuite sur les bancs pour aller pêcher. Pour moi, c'est ça. Et puis, entre-temps, on a développé vraiment une identité française, plus que francophone, juste française. Et je pense que là, aujourd'hui, il serait hors de question qu'on devienne canadien.
On adore les Canadiens, attention. Ce sont nos amis, ce sont nos voisins. Pour autant, je pense qu'on ne voudrait jamais devenir Canadien. Moi, j'ai deux questions à vous poser. Oui, je vous écoute. Premièrement, je m'appelle Alain, je suis de New York, je suis de School Year Abroad des années 76. Alors, je suis un peu vieux, mais les questions sont les suivantes. Quand Jacques Cartier a découvert le Canada et les îles et tout ça, il était français, il parlait en français, ou est-ce qu'il était breton, parle-t-il breton? Ça, c'est une très bonne question. Il était malouin. De Saint-Malo. Tout à fait, absolument, de Saint-Malo. Pour moi, à Saint-Malo, déjà, on parle plutôt gallo, pas breton, parce que ça reste quand même dans le département, dans la région du pays de Rennes, hein, le pays de Saint-Malo et le pays de Rennes, très très proche. À mon avis, il devait parler gallo, mais il était, à mon avis, aussi essentiellement francophone. Je ne me suis jamais vraiment posé la question, mais à l'époque, pour moi, il devait certainement avoir ce bilinguisme. Je ne pense pas qu'il était bretonnant, c'est-à-dire comme on pourrait être dans le Finistère. Je ne pense pas. Et deuxièmement, les points d'usage et de prononciation que vous avez observé sur le français qui est parlé aux îles là. Oui. Est-ce que c'est la même façon de parler partout au Québec, partout au Canada? Les expressions sont uniquement à Saint-Pierre. Alors, ce que je vous ai montré, c'était quand même très très lié à Saint-Pierre. Les Québécois ont développé un autre, ou ont conservé plutôt un autre français que le nôtre. C'est pour ça qu'on n'a vraiment pas un accent québécois. On a parfois des intonations, d'ailleurs dès que je commence à parler de Saint-Pierre, là, ça revient tout de suite, mais qui font penser aux Français qu'on n'est pas de France, on est « oh tiens, tu viens d'où, toi, t'as un accent ». Oui, oui, j'ai un accent. Mais je n'ai quand même pas l'accent québécois, et à Saint-Pierre, on n'a pas cet accent québécois. On est quand même héritier d'un parler très lié à la mer, voyez-vous. Donc, je dirais qu'on est vraiment plus de France que du Québec. Hein. On n'est pas. Cette prononciation, elle se retrouve encore en Normandie et dans le nord de la France. Hein. Le A qui est un peu plus allongé, les nasales qui ne sont pas très bien différenciées. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve encore en France, hein, mais pas comme ça au Québec. Les Québécois ont, et en plus, il y a énormément d'accents français, francophones, je dirais, au Canada. Il y a les Acadiens qui ne parlent pas du tout comme les Québécois, il y a les Franco-Ontariens, je dirais même les Madelinos des îles de la Madeleine, ils n'ont même pas encore le même accent que les Québécois. Donc, on a tous vraiment une identité vocale dans ce coin-là du monde, je pense. Si par hasard vous étiez à Montréal ou à Ottawa, à Gatineau, est-ce que des gens de là-bas vous croyez un peu bizarre, ou est-ce qu'ils entendent votre accent quand vous parlez avec eux? Ah, certainement, oui, oui. Oui, oui. Du coup, dans l'oreille d'un francophone canadien, on a un accent français. Alors qu'en France, on a un accent canadien, entre guillemets. Donc, on est vraiment quelque part entre les deux. Donc, ça dépend à qui on parle. Je dirais, la différence. Il y a un élément quand même qui est intéressant, c'est que quand nous, on va, quand on habite ou quand on visite Québec ou l'Acadie beaucoup, on n'est pas du tout déstabilisé par l'accent. Je pense qu'on a tous l'oreille ouverte à l'accent d'Amérique du Nord, alors que voilà, les Français de France ne l'ont peut-être qu'un peu moins. Merci, je suis heureux de faire la connaissance pour la première fois, et j'aimerais bien assister à d'autres lectures dans l'avenir proche. Merci.
Dominique, j'ai quelques questions. Oui. D'abord, merci beaucoup pour cette présentation fascinante, mais j'ai du mal quand même à m'imaginer comment vous faites dans une population qui est aussi petite que celle-là. Par exemple, vous êtes, décrivez-nous un peu le mouvement des gens entre les îlots et le Canada. Est-ce que vous êtes tous bilingues? Comment vous faites pour vous marier si tous les jeunes partent en France pour faire des études au niveau universitaire et ne reviennent plus? Comment vous faites? Alors, 6 000 habitants, c'est un village. Mais absolument, absolument. Êtes... Alors imaginez Miquelon qui est encore plus petit, c'est un vous village. Êtes tous village. Vous êtes tous cousins? Comment? Vous êtes tous cousins? Ah bah, quelque part, écoutez, c'est un peu inévitable. Je dois avouer que il y a forcément quelque chose dans l'arbre généalogique qui se rejoint. C'est pour ça que c'est important aussi de remarquer qu'on bouge beaucoup. Vous verriez, la diaspora saint-pierraise est très, très importante quand même. Il y a beaucoup de gens qui sont partis et soit ne sont pas revenus, soit ils sont revenus avec d'autres gens. C'est-à-dire, bah, vous voyez, comme dans ma famille, c'était un très bon exemple, ouais. Ma mère n'étant pas de Saint-Pierre, elle est devenue plus saint-pierraise qu'une saint-pierraise. Elle a perdu son accent britannique, elle parle français, vous ne sauriez même pas qu'elle n'est pas née à Saint-Pierre. Donc, il y a quand même beaucoup de mouvements, je veux dire par là. Les gens sortent beaucoup de Saint-Pierre. On a la chance d'avoir quand même une desserte par avion qui est fiable, on va dire, et quand même développée par rapport à notre population. Comme vous dites, on est absolument privilégié. On a l'avion, on a un aéroport qui fonctionne bien. On peut sortir du Canada, aller au Canada rapidement, facilement. Alors, beaucoup de gens partent pour les vacances, mais également pour les soins. On va se faire beaucoup soigner au Canada. Et, bizarrement, on va aussi en France. Et on va où? À Rennes. Il y a un accord entre Saint-Pierre et Rennes pour les soins médicaux. Vous êtes tous bilingues? Vous êtes tous bilingues? Non, alors justement, même si on voyage beaucoup, je vous dirais qu'il n'y a pas tant de bilingues que ça. Ce n'est pas la règle d'or. C'est vrai qu'on a peut-être une bonne oreille, une bonne tendance. On est familier de la langue anglaise, si vous voulez. Mais on n'est pas forcément tous bilingues. Ça, c'est certain. Moi, j'ai la chance de l'être de par ma famille, mais mes autres amis ont juste appris l'anglais à l'école. Comme tout autre. Maintenant, si vous avez une partie de votre famille qui est originaire de Terre-Neuve, comme je le disais un peu dans l'exemple, il y a un peu plus d'anglophones dans les familles, mais ce n'est vraiment pas la règle, on va dire. Tout ce qui est navigation ou déplacement inter-île est très, très facile. Hein. On prend le bateau pour aller à Miquelon, de Miquelon, on peut aller à Terre-Neuve. Les gens bougent beaucoup. Nous sommes, on est ancrés à notre terre, si vous voulez, mais on a la capacité de partir. Et dans mon cas, d'accord, je ne suis pas revenue, mais j'ai eu les opportunités de le faire, j'ai fait des choix. Mais la plupart de mes amis sont rentrés à Saint-Pierre après les études. Ah bon? Je dirais que sur une douzaine, on était peut-être, il y en a quand même 8 qui sont rentrés. Et ils habitent encore là-bas. Et ils ont trouvé de l'emploi. Ils ont trouvé de l'emploi. Ils sont, alors essentiellement, je ne vous le cache pas, qu'ils sont quand même essentiellement fonctionnaires. Donc, soit ils travaillent pour l'État, soit ils travaillent pour l'éducation nationale, soit ils travaillent pour la collectivité. Donc, ils font tourner la vie à Saint-Pierre, si vous voulez. Merci. Je vous en prie. Une autre question, peut-être ? Okay, can we take one more from the submissions? Angela asked, quel statut social est et attribut aux personnes qui parlent français comme langue maternelle? Un statut social, je ne sais pas si on a vraiment un statut social. En tout cas, nous sommes des citoyens français. Nous avons les mêmes droits, les mêmes devoirs que n'importe qui en métropole.
on va voter pour les présidentielles, on fait la grève, pas longtemps, on fait la grève, on manifeste, il y a des syndicats, tout est exactement comme en France. Donc je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'évoquer un statut social. On n'a pas toujours été collectivité. Les Saint-Pierrais n'ont pas toujours été citoyens français, comme c'est aussi le cas dans les autres Outre-mer. On a évolué, le statut a évolué, mais là, aujourd'hui, on est citoyen. On est même citoyen européen, figurez-vous. Donc, c'est assez cocasse. Voilà, Suzanne. Okay. Thanks so much, Dominique, for your presentation and for everybody's participation. We're so glad that we're able to bring these classes to you, and we look forward to the next one. Merci. Merci, everybody. No, à tantôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oops, I just removed somebody rather than kick them out. I couldn't figure out how to make sure everybody closed their windows. So that was great. I'm going to stop recording now because then it'll be easier for me to edit. How do I stop record? Where the heck is the stop record button? There, that one. That one. The one that says stop recording.